selon qu'il donne à ton cœur de s'incliner ce matin. Père, ce matin, je viens encore te dire merci, Père, pour le privilège que tu nous as cette fois de nous donner. Papa, ce matin, je viens te dire merci, oh Dieu de gloire, pour la vie que tu nous as cette fois de nous donner, pour le souffle de vie éternelle, mon Dieu, mon roi. Toi qui as l'oxygène, qui oxygène sur nos cœurs nuit et jour, oh Dieu. Papa, je te dis encore merci ce matin, Père, parce que tous ceux qui sont nés du même jour que moi, éternel, mon Dieu, mon roi, la majorité sont morts. Mais Seigneur, tu m'as préservé jusqu'aujourd'hui, Père, pas pour faire le choix de ce monde, mais pour glorifier ton nom. Seigneur, comment ne pas te dire merci ce matin, Père? Toi qui donnes l'intelligence éternelle, mon Dieu, mon roi, tu as encore donné l'intelligence à nos enfants qui ont eu le bac, Père. Comment ne pas te dire merci, Seigneur? Les enfants que tu nous donnes, Seigneur, ne sont pas nos enfants, ce sont tes enfants, Père. Seigneur, donne encore, oh Dieu de gloire, à ceux qui n'ont pas eu cette année, Seigneur, pour l'année prochaine, éternelle, mon Dieu, mon roi. Papa, nous te disons merci, Seigneur. Nous te célébrons ce matin et nous glorifions ton nom parce que tu es le même hier et aujourd'hui. Et nous acclamons encore ton nom plus fort, Père, parce que tu es le même. Souviens-toi de tes enfants. Merci, Seigneur, parce que tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le même hier et aujourd'hui. Et tu es à son maître que Dieu vient nous prier au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu es vraiment plus beau que le soleil. Ta gloire t'attend dans tous les lieux. Alléluia. Jésus est roi des rois. Chantons. C'est lui qui règne toujours. Tu es vraiment plus beau que le soleil. Ta gloire éclatant dans tous les temps. Alléluia. Jésus est roi des rois. Chantons. C'est lui qui règne toujours. Seigneur, tu règnes dans mon cœur. Tu es élevé, car les cieux et la terre sont dans tes mains. Que toute la gloire te revienne ce matin. De ce que j'ai la joie, de ce que j'ai la vie, de ce que j'ai la bonté, de ce que je suis parmi les saints. Que toute la gloire te revienne ce matin. Amen. Amen. Il est le roi que l'on dit. Jéhovah, tu es plus bon de ce que l'on dit. Tu es Alpha et l'Oméga. Seigneur, tu es plus bon de ce qu'on peut dire. Sur la terre, dans les cieux, nul est comme toi, Seigneur. Tu es le plus bon Seigneur de bon de Père. Qui n'abandonne point ses enfants, qui les rejette point. Qui répond, Seigneur, au plein de ses enfants. Qui soutient ses enfants, qui guérit ses enfants. Qui libère ses enfants, Seigneur, qui donne la sagesse, l'intelligence. Ce matin, Seigneur, nous te disons merci. Tu es plus beau, Seigneur, de ce qu'on peut dire. Personne ne peut se comparer à toi, Seigneur. Sois béni au nom et célébré dans le nom de Jésus. Alléluia. Il est le roi des rois, le Seigneur, le Seigneur. Oh, Jésus est le roi des rois. Alléluia. Jésus est le roi des rois, le Seigneur, le Seigneur. Comment ne pas t'adorer, Jésus? La terre entière est trompée. Alléluia.
Dis quelque chose à ton Seigneur. Du plus profond de ton cœur, tu désires le célébrer. Alors parle au Seigneur. Père de gloire, je te bénis ce matin, Père de très saint, parce que je suis fier de toi, Père. Je suis fier de toi, Papa, parce que tu es mon Père. Je suis fier de toi, Papa, parce que ni la terre, ni le ciel te contient, mais moi, je te contiens, Père. Oh, quelle grâce j'ai en face de toi, Père. Voici ce matin encore, Père de gloire, oh Père. Je lève ton nom, Père très saint, parce que, Père très saint, je vis, Père. Oh Père, parce que les morts ne parlent pas, mais moi je suis le vivant, je parle devant toi, Père. C'est pourquoi ce matin, encore une fois de plus, Seigneur, je remets ces instants entre tes mains, Père. Sois, Père très saint, le maître absolu, Père très saint, de ces instants, Père. Oh Père, sans toi, nous ne sommes rien, Père. Oh Père, que seul le Saint-Esprit inonde nos cœurs ce matin. Oh Père, je remets, Père très saint, oh Père, ceux-là qui ont des problèmes, Seigneur Jésus, qu'ils trouvent la solution ce matin. Ceux qui sont malades, qu'ils trouvent la guérison, Père. Ceux qui sont affligés, Père très saint, qu'ils trouvent la consolation ce matin, Père de gloire. Mets la joie dans le cœur de tout un chacun de nous, Père.
Nous ne sommes pas là par hasard parce que tu nous as appelés. Tu as dit, Père, oh, il y a beaucoup d'appelés, Père, de lui ce matin. Tu nous as élus, Père, pour te servir. Oriente-nous, dirige-nous, fortifie-nous, Seigneur Jésus, Père de gloire. Oh, Père, il n'y a que toi, Père. Nous ne comptons que sur toi, Père, parce que c'est toi qui gères le temps et les circonstances, Seigneur. Je remets ces moments entre tes mains. Que toi seul sois le maître absolu. Béni soit ton saint nom. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sonde-moi, sonde-moi, ô Dieu. Et connais mon cœur. Éprouve-moi. Éprouve-moi. Et connais mes pensées. Et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Et connais mes pensées. Regarde si je suis une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie. Seigneur, tu nous connais. Nous ne sommes pas devant ta face parce que nous sommes purs et saints, mais parce que ton sang nous a purifiés, nous a justifiés, simplement en acceptant ton appel de nous venir au pied de ta croix et de déposer nos fardeaux. Tous nous méritons la mort. Et nous avons eu droit à ta grâce. Et cette grâce coule encore, mon roi. Non seulement pour nous, mais pour cette humanité aussi. Ce matin, nous te disons simplement merci. Merci, ô roi, merci. Alléluia. Que la gloire te revienne, notre Père. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Que le Seigneur soit béni. Je voudrais vous chanter un cantique. On va prendre nous partageons l'exhortation de ce matin. Si les musiciens et les chanteurs peuvent m'aider. C'est simple, c'est un cantique que vous avez l'habitude de chanter, c'est pas un nouveau. Et ne me cherchez plus là-bas. Moi, j'ai déménagé. J'ai changé mon adresse. Alléluia. Thank you.
Quelqu'un de nous connaît la vie, nous a ramassé. Alléluia. Si tu ne connais pas, s'il te plaît, rappelle-moi ce soir. Le problème, c'est que on reste à juger les gens dans leur passé. Or, c'est là où ils étaient. Vous comprenez donc? Il va me prendre, il va m'arranger, et il va me positionner. Oh,
cherches dans mon passé. Tu me cherches dans les histoires du passé. Là où tu m'avais connu. Il m'a pris longtemps. Et c'est pour d'autres cieux que nous nous sommes engagés. Seigneur, aide-nous à comprendre cela. Aide-nous à comprendre que ce n'est pas ce que nous faisons, ou nous sommes en train de faire, pas ce que nous allons faire demain, Seigneur, mais ta grâce. Ta grâce, elle n'est pas mesurée. Ta grâce est grande. Et que la gloire te revienne. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Pendant que nous étions en train de chanter, Dieu me faisait voir un véhicule. Et pour la plupart d'entre nous, nous avons déjà vu des voitures. Et Dieu me faisait montrer une image d'un véhicule. Mais un véhicule qui est en mauvais état, une vieille voiture, et que le propriétaire est en train de tout refaire, mais la coque reste la même. Mais le propriétaire a refait le moteur, il est en train de refaire tout le mécanisme du véhicule. Voyez-vous, si vous continuez à regarder ce véhicule tel qu'il est, vous avez raté parce que c'est un véhicule neuf. Il a un moteur neuf. Tous les accessoires qui sont dans ce véhicule sont neufs. Mais la coque reste la même. Et parfois, nous restons sur les frères, les sœurs, à cause de leur apparence. Mais nous n'allons pas plus loin à chercher leur fond intérieur. Souvent, quand nous prenons les taxis, nous pouvons entendre parfois quand le moteur est beau. Parfois, c'est une belle voiture. Mais nous pouvons voir qu'il a des problèmes pour grimper. Le moteur ne répond plus. Alléluia. Amen. Mais il y a des vieilles voitures. Quand nous sommes à bord et quand nous le voyons grimper une montagne, nous sentons que c'est une nouvelle voiture parce que le moteur est neuf. Alléluia. Je voudrais que, même si notre apparence montre autre chose, que notre intérieur soit vrai. Parce que, quand vous étudiez la personne de Jésus, vous allez vous rendre compte qu'il était pareil. La Bible dit qu'il n'avait rien d'éclat pour attirer les foules. Il n'avait rien. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde crie Jésus, parle de Jésus. Mais à l'époque de Jésus, il n'y avait rien. Il n'attirait même pas. Il n'avait rien. Quand vous étudiez sa famille, ce n'était pas une famille classe. On ne lui parle au rang même qu'il a étudié ou quoi, non. On dit qu'il a fait la charpente. Il était charpentier comme son père, il a fait la charpente. Et la grande classe lui a appelé mendiant. Vous savez ça, non? Vous connaissez ce qu'on appelle un mendiant? Aujourd'hui, nous disons c'est Jésus, l'officialisme, c'est autre chose, faute de classe. Faute... Mais on va loin, on s'éloigne, on s'éloigne. Si on t'acclame, on t'apprécie, tu es bon, tu es bien, tu es élégant, attention. La Bible dit c'est ainsi qu'on a aussi dit des faux prophètes. Car les temples des vrais étaient là aussi, n'est-ce pas? Souvent, je fais un voyage la semaine et pendant que nous voulons, pendant qu'on rentre ici, on revenait de l'intérieur du pays, donc de la province, pendant qu'on venait, on a beaucoup ri, on a vu des belles tombes. Non, les tombes. Non, c'était le marbre. C'est-à-dire que les enfants ont transpiré. Non, ils sont sortis en vampire pour mettre le marbre. Parce qu'un mètre de marbre ne coûte pas simplement. Est-ce que vous comprenez? Mais en vivant de l'air mais de l'air vert, ils ne sont pas sortis en vampire pour une boîte de chloroquine. Ils ne l'ont pas fait. Je disais au jeune homme qui était avec moi dans le véhicule, appréciez vos mamans et vos papas, même s'ils sont comment. Il va arriver un moment où vous allez penser à votre mère, mais ce serait trop tard pour passer. Je vous assure, vous allez tenir votre cœur au point de vouloir dire, si elle était encore là, je la donnerais tout ce que je pouvais. Mais ce serait trop tard. Et c'est ce qui se passe. Vous voyez les gens aujourd'hui, non, le temple, il faut mettre de l'or. Il faut, parce que, en fait, Christ est parti. Oh, s'il était là, oh, Jésus, oh. Mais quand il était là,
Les gens n'étaient pas prêts à faire quoi que ce soit. Si les gens voulaient, elles construisaient une maison à l'étage, non. Mais Christ il dit, même l'oiseau avait là où dormir. Le renard avait, lui, il n'avait pas où dormir. Le jour qu'il rentre comme un roi acclamé dans une matinée, il a prêté l'âme d'autrui. Il a prêté. Pour un petit temps d'acclamation. Parce que les mêmes qui ont dit, oh, béni soit le roi qui rentre en Israël, ils ont dit, crucifiez-le. Le jour au lendemain, n'est-ce pas? Hosanna! Gloire à Jésus qui nous a envoyé le Messie. Le lendemain, ils ont dit, ce gars-là doit mourir. Remettez-nous notre brigade qui nous protège sur la route. Et puis on a libéré le brigand. Voyez-vous, le brigand était devenu un acteur. Parfois, les brigands, et très souvent, c'est des brigands que nous voulons. Des brigands. Les brigands, nous, on les veut. Hier, je riais avec l'ancien Boumessi. Mais ce n'était pas vraiment un rire au plus profond parce que j'avais un petit regret. Pendant qu'on faisait les formations Village pour Jésus, j'étais parmi les formateurs. Et j'ai enseigné un gars. Il paraît qu'il était un prophète. Et il a demandé à son église aujourd'hui d'amener le sel tout le monde. Avec le bidon. Voilà. Vous puisez l'eau à la source. Donc vous cherchez une source dans la phrase biblique. Et vous payez là le kilo de sel. Donc ce matin, où nous sommes en train de faire le culte là. Ils sont le culte là-bas avec. Lui va sanctifier ça. Désormais, quand tu vas te laver, tu mets un peu dans ton seau pour être un homme pur. J'ai eu mal au cœur parce que il paraît que ce gars était parmi les élèves que l'on a enseigné. Et j'ai dit, nous, est-ce qu'on a enseigné tout ça? Il a trouvé ça où? C'est catastrophe. Non, je ne vous parle pas de quelqu'un qui est à Libreville. Il est dans la ville ici. À Franceville. C'est ici où ce matin-là. Peut-être certains qui ne sont pas là sont là-bas. Ils ont amené leur bidon et leur sel. L'eau de la source. Comment nous on est au courant? Mais parce qu'on a certains de nos membres de famille qui préfèrent les croire que nous, parce qu'ils nous voient au quotidien. Même les frères de Jésus, les sœurs de Jésus ont eu des problèmes. Certains se sont ajoutés au christianisme qu'après la mort de leur frère, pendant qu'il était là dans la table. On a bouffé ensemble, toi aussi. Vous savez, j'ai mes collègues, quand ils me voient, je dis, non, mais je suis serviteur de Dieu. Toi aussi, laisse ça. On s'est baladé là, on a fait du banditisme là à l'école. Arrête ça. Oui. Non, tellement habitué. Non, votre frère vous appelle, il dit, je viens d'être élu, je suis le nouveau président de la République. Tu dis, tu es un blagueur, n'est-ce pas, non? Mais le jour que tu le vois prêter serment, du haut, le gars, il est dit, oh. N'est-ce pas, non? Gardez vos amitiés. Hein. Celui que vous voyez aujourd'hui n'est pas forcément celui que vous allez voir demain. Vous pouvez le dénigrer, il est dans le quartier, il vient. Par exemple, prenons le cas de nos fonctionnaires. Tu vois, le fonctionnaire, il est là. Mais par nomination, le gars brûle les étapes, boum! Ministre de la République, toi tu avais effacé son numéro, non? Maintenant, pour te rapprocher, pour trouver le numéro là, c'est un problème. On est d'accord? Et Jésus aussi. Et les techniques ont dit, la maison d'un papa ou d'une maman qui conseille n'est jamais fréquentée. Qui va venir dans le hangar, mais tu t'assois seulement. Dis, mon fils, faut manger. Tu vois, la saison sèche approche. Un vrai homme. Voilà. Prochainement, même si t'es le petit à la banane, tu dis, ah, le vieux là. Non, le vieux là. Ah non. Mais là, est-ce que tu vois là où tu pars? Tu laisses le conseil, n'est-ce pas? Tu pars ailleurs, non? Ou autre chose. Ce matin-là, je disais, quand on dit honore ton père et ta mère, cela ne veut pas dire amène-le les présents ou quoi. Non. Écoute leur conseil. Obéis à leurs principes. Pourquoi? Mais parce qu'ils vont te dire. Tu connais combien de fois ils ont échoué avant de réussir. Donc il va te dire la seule fois que tu vas réussir. Tu comprends?
Tu ne prends pas ça, tu échoueras toute ta vie. Les enfants d'aujourd'hui meurent. Nous, nos parents, quand on quittait le village, ils te disent, ouais, tu vas en ville. Le village ici est miné. Si tu vas rentrer dans la rose pour la formation, tu mourras. Mais parfois, le gars, il te dit ça, il n'y a pas le fétiche. Mais dans ta tête, tu assumes attention. La plupart qui sont rentrés, ils sont pleins. Et ne repartent même pas dans les villages. Hein. Vous voyez ceux qui habitent maintenant les villes sans retourner là. Parce qu'ils savaient que quand ils revenaient, le Dieu les tuait. C'est pourquoi vous avez les tequets, les lits, les lestuaires, les djédites, les lestuaires, les miennes, les lestuaires. Les gars ne bougent plus. Tu lui dis au bon village, il dit, hey. Il se rappelle de ce que son père lui a dit. Tu bouges, tu meurs. Le gars reste là-bas. Mais nous, aujourd'hui, on a un Père qui ne fait pas de pression, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Mais pourtant, on ne veut même mieux l'écouter parce qu'il est mort, n'est-ce pas, non? Souvent, nous, on écoute plus, il est mort. Les paroles de papa nous reviennent, ou de maman, quand elle est déjà. Est-ce que vous comprenez? C'est là où seul, comme ça, tu dis, ah, papa m'avait dit, quand il est mort. Notre Seigneur est vivant. Amen. Amen. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps avec vous, je suis dans Matthieu. 15. Le thème de notre exhortation, s'il faut, le matin, c'est garde mon cœur. Garde mon cœur. Garde mon cœur. On le confie à quelqu'un. On confie notre cœur au Seigneur Jésus. On dit garde mon cœur. Nous sommes au chapitre 15, le verset 10. C'est des passages que vous avez déjà sûrement lus à plusieurs reprises. Ayant appelé la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues. Il répondit, toute plante qui n'est pas plantée, mon Père céleste sera déraciné. De mon Père céleste sera déraciné. Laisse-le. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous dans une fosse. Pierre prenant la parole et lui dit, explique-nous cette parabole. Alléluia. Voilà, je vais d'abord m'arrêter là. Voilà un groupe des aveugles, c'est-à-dire les disciples et les pharisiens. Mais les disciples vont jouer à une sagesse. Jésus parle et le débat va commencer plus haut. Il est question des règles, d'obéir aux principes de Dieu au détriment de la coutume qui a été changée. Les gens obéissaient déjà plus à la coutume et laissaient les principes de Dieu. Et Dieu venait de les parler et plus bas à 10, quand il prend la parole, il dit, écoutez, parce qu'il y avait des débats autour de ce qu'on mange. Et beaucoup d'entre nous ont déjà entendu ces débats. Et nous connaissons également qu'il y a des groupes qui se disent de Jésus, mais qui font le débat autour de ce qu'on mange et on boit. Il y a des règles, les adventistes ont les règles. Hein, l'église du septième jour, je crois qu'elle ne mange pas le cochon. Et nous avons aussi le Père Valongo, qui ne mange pas le cochon, ne mange pas les embouts et les silures. Mais quand nous allons dans l'Ancien Testament, en fait, il y avait tout ça. C'était les bêtes déclarées impures. Que par après, Dieu va rendre pur. Et c'était l'image des choses à venir. Si c'est une fausse prédication sur la typologie, on fera. Mais ici, ce matin, ce que nous voulons comprendre, c'est que le débat était autour de manger et boire. Et Jésus devait se préciser certaines choses concernant ce débat. Parce qu'il devenait un peu embêtant. Il y avait des gens qui étaient vraiment embêtés. Et nous pouvons voir avec Paul qui revient là-dessus. Il était question de manger les bêtes qui étaient offertes en sacrifice. Comme quoi? Par exemple, l'onjoli et le rite, c'est pas culturel, c'est les rites. Comme le mungala, comme le simbu, comme le bouti. Hein? Parfois, les gens viennent
danser à rythme Njobi. Oh, louange et Dieu. Non, ça, c'est pas Jésus. Même si tu mets le nom de Jésus dedans, c'est pas Jésus. Parce que c'est un rite qu'on chante à l'honneur d'un Dieu qu'on appelle qui? Jobi. C'est la différence. Maintenant, chez nous, on avait Mbali. Où est la maman? Bon, là, c'est quelqu'un qui comprend. Mbali, où est la maman? C'était des danses culturelles. Et là-bas, ça, c'est conseillé. On peut parler, on peut communiquer. Et dans la plupart des langues, on a des chants comme ça, n'est-ce pas? Des danses où, comme le Ngwata. Hein? Le Ngwata, c'était comme un night club où les jeunes venaient choisir la femme qu'ils vont avoir demain. C'était là au Ngwata. Mais aujourd'hui, ces rythmes-là, quand nous les chantons, on peut les garder parce que c'est nos rythmes culturels. Ce n'est pas des rites. Et quand on est sacrifié les bêtes, qui était offert à d'autres dieux, donc comme Onjobi, il y avait quoi? Il y avait des poules, il y avait des moutons qui étaient offerts à eux. Et le débat était autour. D'autres disaient, on peut manger. Les autres disaient, si vous mangez, vous êtes sués. Et il y avait d'autres règles. Alors Jésus devait se préciser ça. Et quand Jésus arrive, il dit, mais écoutez, tout ce que vous mangez ne vous suit pas. Tout ce que vous mangez ne vous fait pas pécher. Si ce n'est que l'excès de table. C'est-à-dire vous mangez jusqu'à avoir mal au ventre. Vous continuez à manger. Là, c'est maintenant mauvais. Pourquoi? Parce que c'est la gloutonnerie. C'est un péché. Mais manger ce qu'on te présente ou qu'on vend au marché n'est pas un péché. Parce que c'était devenu un débat. Et donc lui, il dit, ce n'est pas ça. Vous ne devez pas vous préoccuper de ça. Préoccupez-vous de votre cœur. C'est ce qui sort de votre bouche qui vous fait pécher, qui vous suit. C'est ça là qui vous suit. C'est vos paroles qui suivent et non votre nourriture. Les pharisiens, les pauvres, ils sont partis avec le débat. Mais les disciples, eux aussi, ils n'étaient pas sortis de la pure. Eux aussi, ils étaient à tête. Ils sont sortis, mais ils ne comprenaient pas. Mais regardez bien, quand ils s'approchent de leur maître, ils disent, est-ce que tu sais que les pharisiens étaient scandalisés? Mais eux-mêmes, ils étaient fous. Eux-mêmes aussi, ils ne comprenaient pas. Mais ils disent, non, mais ce que tu as dit là, c'est fort. Les gars sont partis de là vraiment renversés. Jésus ne leur dit pas, mais ça c'est la puissance du Saint-Esprit. Vous savez quand le Saint-Esprit se réveille. Aujourd'hui c'est maintenant comme ça. Tu vas voir un homme de Dieu pour le dire, papa, ce que tu as prêché là, vraiment ça m'a touché. Lui, il ne te laisse même plus continuer. Si voilà, tu travailles comme ça, bien aimé. Dieu quand il te... Non! Il me dit... Parce que quand il m'utilise, mais je donne le mystère de Dieu. Je libère, fils. Je ne sais pas, je ne te pas, là, il y a un nœud. Le nœud que tu as, mais tu es obligé de bloquer avec ça. Mais Jésus les a laissés parler. Dès qu'ils ont terminé, il a dit, bon, mais à eux, certains mystères sont cachés. Au fait, ils n'ont pas quelqu'un qui peut les expliquer, ça c'est voilé. Mais vous, c'est permis. Et les gars ont compris que c'est permis, n'est-ce pas, non? Et ils ont dit, bon, mais même nous aussi, c'est passé ailleurs. Ah oui, là, Pierre prend le courage, il dit, mais... Seigneur, mais même nous, on a entendu que le vent. Il dit, bon, mais à vous, c'est permis de vous expliquer. Pourquoi? Mais parce que vous êtes avec la parole. La parole, c'est Jésus. Si vous êtes avec la parole, vous aurez des difficultés à comprendre la parole. Non, il dit, asseyez-vous. Et là, il continue. Et là, on peut lire ce qu'il dit. Il a dit, bon, c'est des aveugles, ils conduisent les aveugles, laissez ça. Venons au verset 16. Il dit, et Jésus dit, vous aussi êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui suit l'homme.
Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne suit pas l'homme. Pourquoi? Parce que les autres aussi faisaient comme vous voyez les musulmans là. Ils ont leur carafe à côté, il ne faut pas blaguer avec ça. Dès qu'on dit ton carafe mange, le sanctifiant. Hein? Et il y a une main qui ne doit pas toucher. C'est la gauche. Dès que ça touche le repas, pas. Tout le monde te regarde mal maintenant. Et s'ils ont un couteau là, puisque les gars ne blaguent pas à la matière, tu vas voir un qui va te dire, refais ça. Pourquoi je le dis? C'est pourquoi nous comprenons qu'en réalité, le terme que j'ai donné, garde mon cœur. Le cœur de l'homme a des enjeux, ou même toi-même. Si tu n'es pas vraiment assis au Seigneur, tu ne vas pas le maîtriser. Comment tu vas jalouser quelqu'un qui chante? C'est avant-hier qu'on suivait ça à la télé. Hein? Oh d'accord. Tu as un frère qui chante. D'abord, c'est toi qui lui prêches l'évangile. Il s'est converti. Tu l'amènes au Seigneur. Non, attends. Toi, tu es allé lui prêcher l'évangile pour moi. Toi, laisse-lui mourir dans le monde. Tu lui prêches l'évangile, il s'est converti. Tu l'encadres, tu l'amènes maintenant. Tu lui apprends même à jouer à l'instrument, à chanter. Quand le frère chante et l'église bouge, le don est là. Tu dis, celui-là, il ne peut pas me dépasser. Il ne peut pas. Si moi je n'arrive pas à évoluer, c'est lui. On ne me voit plus, c'est lui. Et tu fais quoi? Tu vas jusqu'à voir le ganga. Quand tu vois le marabout, tu demandes qu'on le ôte la vie. Le ganga te dit, lui là, il est saint, il est pur, on ne peut pas le tuer. Tu dis, bon, mais maintenant il faut plus qu'il chante aussi. Le marabout, bon, lui rendre malade, lui amener à ce qu'il ne chante plus, c'est possible. On te donne le produit. Tu vas quand même chez toi avec le produit et il dort, il est là avec le frère. Et c'est quand on invite le frère à chanter, le frère lui dit même allons. Quand le frère a fait l'erreur de dire frère, je veux de l'eau. Il dit non, laisse-moi aller te prendre. C'est un signe de respect, non? Mais quand il prend là, il dose. Il dort. Il va venir regretter parce que l'autre tombe gravement malade. Mais il avait déjà reçu son coup. Même quand tu entendais le frère parler, la voix ne sort plus. Les anges, il dit, le pus sortait de la gorge. Il a souffert. Et il venait rendre visite au frère, la famille du frère, la mère, le père, le considère comme étant l'aîné du petit. Chrétien, n'est-ce pas? Non. Il n'est pas chrétien. C'est pourquoi je n'ai jamais accepté les demi-chrétiens. Il n'y a pas de lit chrétien, c'est un païen qui a duré à l'église. Amen. Où il était chrétien, il est tombé, il est parti depuis. Comment? Pourquoi? Mais ça a commencé dans ce que vous appelez combat spirituel. Je ne veux pas trop être loin avec vous, je vais terminer. Les problèmes même des chrétiens ou des familles commencent par une pensée. Une pensée qui peut être sémée par celui que nous avons reçu à la maison, par quelqu'un qu'on a discuté, et c'est sémé. Est-ce que vous comprenez? Il sème une graine, une situation, c'est des paroles qu'il va sortir. Et au bout de cette parole, tu vas commencer à méditer. Mais quand tu médites là, parce que les gens disent, non, le combat spirituel. C'est là où je vous dis, vous faites votre combat là-haut. Tu comprends pas, la nuit, vous êtes... La nuit, on est même de pleurer, pour que de dormir pour que les pensées passent. Tu te réveilles, tu dis tu combats. Mais pendant que tu combats là, tu combats où? Comment? Parce que tu as les pensées négatives de ton frère. Les pensées négatives. La première chose, c'est de combattre ces pensées. Le combat spirituel, c'est de combattre les pensées négatives vers autrui. C'est de travailler à ce que tu ne les exécutes pas. C'est ça le combat spirituel. Les pensées qui m'amènent à regarder papa Alphonse comme un problème, je dois, le combat c'est maintenant je le fais. C'est pas avec, non, je ne vous invite pas à venir dans le combat là.
Parce que ça se passe d'abord dans ma tête. Donc je lutte pour que ces pensées-là n'ont pas la place. Mais je lutte avec quoi? Il faut que tu aies la base de la parole de Dieu. Il est écrit. Non, la parole de Dieu dit ceci. Je vous chasse de ma tête, je ne fais pas ça. Quand tu sors de là, tu as gagné le combat. Et quand tu gagnes le combat, tu montes en grade. C'est-à-dire tu grandis dans la foi. Or, la plupart d'entre nous, c'est là qu'ils meurent. Vous êtes sûr que moi qui vous prêche ce matin, je n'ai jamais été victime de ça? Si! Je vous dis, vous avez pris une masse. Bon, pour nous qui faisons le bâtiment, parfois tu prends la masse, tu es en train de casser le mur, hein? Avec la force bien, boum! Mais quand le mur est fort, parfois ça revient. Prends ça au tibia. Prends ça au tibia. Tu ne peux pas chuter le mur. Tu ne peux pas insulter quelqu'un. Tu es toi-même avec le mur. C'est là où tu t'arrêtes. Est-ce que vous comprenez? Tu jettes même la masse là. Ouf. Après, tu penses, bon, il faut travailler. Tu reprends, tu boites un peu, mais. C'est justement ça le combat spirituel. C'est dans la tête, c'est un coup que tu prends. Mais qui te vient au nom de X, de Z, de Y. Si tu veux sortir de là, s'il te plaît, il y a un coup, ça va faire mal. Mais arrive à dépasser ça, s'il te plaît. C'est pourquoi le Seigneur dit, ne soyez pas rapide à parler, de peur que votre cœur ne commence à dire ce que vous avez pensé, à ce que vous... Est-ce que vous comprenez? Même à un moment donné, quand vous vivez cette situation, évitez les rencontres. Retirez-vous un moment. Je fais un travail spirituel, mais c'est ça. Tu as accéléré des pensées négatives. Parce que le diable veut ta tête. Il veut ton cœur. Alors tu fais quoi? Tu t'isoles. Mais tu t'isoles avec quoi? La parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tu t'isoles avec la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle dit dans les pareils moments? C'est pourquoi le principe aujourd'hui d'étudier, c'est l'amour. Le principe qui peut nous aider à combattre tout, c'est l'amour. Parce que le principe de l'amour, vous pouvez comprendre ça comme étant quelque chose qui ne tient pas, mais l'amour dit on pardonne tout, on excuse tout, on accepte tout. Vous comprenez? Il n'y a que l'amour qui bat le péché. Dans le combat spirituel, c'est l'amour qui bat. Vois ton frère positif. Vois ta soeur positive. Le cas même, celui qui est empoisonné là, c'est là à l'écran, à la télé, qu'il découvre que c'est celui-là. Est-ce que vous comprenez? Il dit, mais malgré ça, il dit quand même au frère, il dit, bon, mais ça ne devait pas être réglé devant les médias. On pouvait traiter ça à la maison. Tu venais, on pouvait traiter ça, c'est rien. Et le pasteur lui a dit quoi? Il dit, tes cordes vocales vont être établies. Si Dieu t'a gardé de la mort, ce n'est pas du champ qu'il ne va pas te rétablir. Amen. Celui qui t'a appelé verra ça. Amen. Le frère, vous nous voyez aujourd'hui prêcher, les sœurs. Vous êtes sûr que nous n'avons pas pris les coups qui nous ont amenés plus bas? À vous regarder comme si vous étiez des ennemis numéro un plus que Satan. Mais tu mets les genoux au sol. Tu soulèves un sac de ciment 50 kilos. Il m'arrive de le faire. Je suis plus lourd que eux. Mais quand je soulève le sac, je sens que j'ai soulevé quelque chose. Et il m'arrive de monter à l'étage avec. Tu montes, tu finis le premier tournant. Les pieds te disent, mais toi aussi là, nous on ne veut plus continuer. Tu sens que le sac, il y a le moment où j'ai dit aux enfants, je me dis, mais les petits, vous pensez que nous on peut faire encore les mêmes choses que vous? Prenez-moi ça. Bon, ils ne comprennent pas pourquoi ils s'arrêtent en route. Mais parce que le corps ne répond plus. Vous comprenez? Le corps ne répond plus. Donc il y a des situations, c'est en ce moment-là que tu peux voir un frère, une soeur, aîné dans la foi, que tu dis, soutiens-moi. On ne confie pas n'importe quoi. Attends, j'ai envie de tuer quelqu'un. Je le confie à qui? Donc, il faut connaître qui tu peux te confier. Tu dis, mon cœur ici est mauvais. Moi, je dis, mais soutiens-moi dans la prière. Donc, vous comprenez qu'il faut savoir à qui confier. Si c'est au prêtre, le soir, tu seras arrêté.
Parce que c'est lui qui va appeler la PJ pour dire qu'il y a un projet de... Il y a des frères. Si ce n'est pas encore arrivé au niveau d'un frère, d'une soeur, fléchis le genou. Demande un cœur pur à Dieu. Demande la force sur les pensées. Je vous ai dit, c'est la première base du combat spirituel. C'est vos pensées. Donc le combat n'a pas lieu en criant. Non, la nuit est faite pour dormir. Dormez. Permettez au cerveau de réfléchir. Qui vous a dit que les sorciers tuent la journée? Qui vous a enseigné ça? Le messianisme a un problème. Le sorcier peut tuer la journée. On peut vamper en plein jour. Un jour, nous étions assis devant la porte où on était logé à la Lopé. Vous connaissez le feu, on appelle ça quoi? Le feu follet. Follet. Feu volet. Follet. Mais en tout cas, c'est volant. Nous sommes en plein jour. Il y avait un temple de Bouti, un peu plus devant. Pour ceux qui sont allés à la Libreville, quand vous rentrez à la gare de la Lopé, le petit village que vous voyez à l'entrée, à votre gauche, ça c'est le temple de Bouti qui est là. Bon, aujourd'hui, si vous partez, c'est maintenant les Manguiers, le temple a pris feu. Et nous, on a été convoqués chez le préfet à cause du temple là. On n'est jamais parti là-bas. On a prié et le temple s'est brûlé un soir. Mais ils sont allés voir le préfet et ils ont fait plainte à nous, à l'église. Et nous, on a brûlé le temple. Mais nous sommes en train de veiller. On voit seulement un feu. En plein jour. Et puis, on a fait quand même quelques recherches. Et puis, il y a un grand, le chef de canton. Il me dit, mais écoute, nous, on fait les voyages comme ça. Quand les autres sont en train de danser, on doit partir d'un pôle pour un autre pôle. Ce matin, ils étaient en train de danser. Et il y a eu des gens qui ont mangé le boga. Et ils ne se sont pas réveillés jusqu'à 7 heures. On avait donc raison de faire intervenir des plus expérimentés pour faire revenir certains. Je peux donner le nom du Ganga, je le garde. Le Ganga était devenu mon ami. Parmi les gens qui nous ont bien reçus à la Lopé, il fait partie des hommes de paix. Mais il avait son dernier plan. Pour lui, il devait nous convertir. Bon, on s'est séparés, il ne s'était jamais converti, mais on s'est séparés au commissariat. Bon, à la mairie. Donc, vous comprenez que parfois, nous, on peut penser à certaines choses au plus profond. On pense que c'est, ça vient seulement de nous, non. Mais le diable, le terrain qu'il nous attaque, le terrain qu'il nous compte, c'est nos pensées. L'un des combats spirituels, le combat spirituel a un terrain favori. C'est nos pensées et les paroles que nous écoutons en longueur de jour. Même les livres que nous lisons. Tout ça, ça vient frapper sur notre intellect, notre être intérieur. Et a donc des informations, que ce soit extérieur ou intérieur. Et il va réagir par rapport à ça. L'homme est fait de ce qu'il entend, de ce qu'il voit et de ce qu'il touche. Ce que tu es devenu, c'est parce que tu as entendu et tu l'as appliqué. Nous avons des aînés. Bon, il y a aussi le jeune, Alexis. On les appelle docteur à une science. Mais il a commencé au CP1 an. Mais en force d'entendre. Mais c'est ça, apprendre. Apprendre, c'est quoi? S'entendre. Ce que tu n'entends pas, tu ne peux pas reproduire. On a les nouveaux bacheliers aujourd'hui. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont entendu et ils ont reproduit ce qu'ils ont entendu et on les a donné oui. Notre vie aussi est faite de ça. Nos gestes à l'extérieur, nos paroles sont le fruit de ce que nous avons entendu, de ce que nous avons vu. Et ça s'est produit à nous, le fruit. C'est-à-dire, la parole la tombe dans notre cœur. Elle peut rester, mais elle va germer. Elle va prendre, elle va produire le fruit. Et le fruit, c'est parfois un couteau qu'on prend pour tuer quelqu'un. Le fruit, c'est parfois on sort comme ça, on ne voit plus la personne, on l'insulte. C'est ça le fruit. Mais en réalité, pour que ça arrive là, c'est tomber d'abord à terre. Votre cœur. Et c'est resté là.
Et ça a trouvé que Dieu a arrosé ça. Parce que si tu n'as pas arrosé, elle meurt. On nous a parlé de trois terres. Le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? La bonne terre va faire quoi? Va permettre que ça grandisse. Ce que veut dire, ce qu'on t'a dit est trouvé favorable à toi. Ce qu'on t'a dit sur ton frère, sur ta soeur, sur ta famille. Il y a aujourd'hui les gens qui, à l'église, le prophète lui a dit. Et il ne veut plus voir sa mère. Nous avons prié pour une situation ici où la prophétesse aurait dit à une jeune fille de ne pas décrocher le téléphone de sa mère, de ne pas le répondre en aucun cas. Tant qu'elle n'a pas terminé le travail avec elle, et le travail est pour près de 6 mois. Donc la prophétesse reste là-bas. Comme si elle a une jeune cadre, la prophétesse ne vit que maintenant là-bas. Dès qu'elle vient avec les nattes et tout, elle doit manger, on doit la faire boire l'eau. Mais il ne faut pas répondre à la famille. La prophétesse est là, dans la maison même de la jeune fille. Et les parents ne doivent pas mettre pied. Et c'est une maman qui prie avec nous, elle a chipoté rien. Et un jour, elle me demande conseil. Papa Albert, je fais comment? J'ai dit, maman, oui, déplace-toi en chair et en os. Alors la maman a fait un cortège, la maman a appelé son frère. Elle dit, bon, là maintenant, atterrissage forcé. La famille s'est déplacée à aller dans la ville où la jeune fille vit. Ils appellent rien. Ce jour-là, la prophétesse est arrivée. Mais la sœur de leur fille a suivi le geste que la prophétesse est arrivée. Appeler la mère et les frères qui étaient dans la ville. Ils disent, ils sont déjà là. Ils ont dit, ok. Portail. Regardez, c'est une foule, c'est chez nous. Ils sont rentrés, la prophétesse est là. Ils ont dit à la prophétesse, aujourd'hui, toi, c'est la police. Tu vas nous dire le fétiche qu'on a fait à notre fille. Vérification faite. Il n'y a rien. La prophétesse n'a fait qu'avouer qu'il y avait la bouffe. Donc, tous ces problèmes-là, c'est parce que elle mettait la prophétesse tellement à l'aise que la prophétesse ne voulait plus que la mère vienne le gêner. Et la prophétesse, maintenant, chaque week-end, elle est là-bas. Travail spirituel. Donc, le travail spirituel, là, c'est elle qui gêne la prophétesse. Donc, sincèrement, le menteur vit au dépens de celui qui l'écoute. Hein. Et nous en avons aujourd'hui beaucoup. Nous avons beaucoup, malheureusement. Qui va aller dans une église où on prêche seulement la parole? Sans l'eau salée. L'eau au sel, l'eau de la source au sel. Sans l'huile d'olive. Hein? Y a une vidéo, je l'ai même, que les fils m'ont envoyé. Bon, tombé là, ils avaient déjà mal. Parce que le pasteur dit, ne viens plus ici, tous les dimanches, tu tombes, on te fait la délivrance. Nous, on est déjà fatigués, on garde notre feu pour d'autres démons. Ne viens plus. Bon, peut-être ça là, ça va. Mais aujourd'hui, la plupart sont isolés. Et ce que je veux vous dire, le diable n'abat pas quand il t'isole pas. Il n'est pas content quand on s'entend, quand on sourit, on se visite. Il n'est pas. Le diable, ce n'est pas un homme, c'est un esprit méchant. Les démons qui sont avec lui ne sont pas contents, papa. Salut, papa. Comment ça va? Ça va bien? Ça, là. Il fait. Parce que vous vous entendez. Maintenant que. J'ai dit à. Toi, c'est Élie ou Élie? J'ai dit à Élie. Méfie-toi de lui, là. Là, Satan, il a dit. Et dans ma tête, là-bas, il dit refait. Il me rappelle maintenant les choses. Il dit, l'autre fois, tu as vu, il a fait telle chose, je n'ai pas appris. Tu as vu? Est-ce que vous comprenez? Mais en fait, c'est qui que je suis en train de saturer? C'est lui-là. N'est-ce pas?
Il n'avait pas de problème avec lui là. Désormais, quand lui là, il... Et quand... Les choses, c'est que lui là, maintenant, il va téléphoner. Notre projet là, non. Non. On va repousser ça. Ça, c'est parce que Albert vient d'injecter. Est-ce que vous comprenez? Et ce qu'il a injecté là, Satan va déformer, transformer. Et il va lui informer. Le gars serait saturé de la connaissance diabolique. Que lui là, faut le garder loin. Vous comprenez ça? Et c'est ce qui tue aujourd'hui l'homme. C'est ce qui détruit l'église. Et ça nous affaiblit. Le corps de Christ, regardez, même en tant qu'église, les paroisses, les pasteurs ne se disent pas bonjour. Nous-mêmes, les fidèles là, le nom seulement, dès qu'on donne le nom, là-bas, c'est l'église, nous-mêmes, même la même congrégation. La même congrégation. Vous prenez le jeune qui est ici, nous on t'envoie déjà, tu vas t'occuper de l'église d'Ongali. Dès qu'il arrive, Ongali fait un royaume. Faut plus que nous de potos, on lui appelle même. Et c'est compliqué. Depuis un temps maintenant, je dors sur mon lit comme ça. J'ai compris pourquoi les parents disaient, faut toujours regarder vers le plafond avant de dormir. Avant, je ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, je comprends pourquoi il faut dormir en regardant le plafond. Parce qu'on ne dort pas sans réfléchir, n'est-ce pas, non? Mais quand tu dors aussi comme ça, les nerfs chauffent, la tension augmente. Même si tu es dans le sommeil, mais ta tension monte. Et ce n'est pas très bon pour ta santé. Tu peux mourir. Frères et sœurs, je voudrais m'arrêter par là pour dire, remettons notre cœur au Seigneur. C'est lui qui peut garder notre cœur de toutes choses. Vraiment, si vous pouvez faire cette prière même tous les jours, de dire au Seigneur, je suis en train de sortir, garde mon cœur. Je vais entendre les choses, mais garde mon cœur. Je ne veux pas que ça soit... Non, je vais entendre, je vais lire. Je vais même écouter la radio. Regardez, le diable, il est formidable. La radio ne donne jamais de bonnes nouvelles. La télé ne donne jamais de bonnes nouvelles. Il nous parle que des morts, des guerres. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on parle de naissance là-bas? Écris la naissance de ton fils, envoie à la télé. On va te dire, tu payes. Mais quand il y a une guerre quelque part, il parle filmer sa cadeau. Même prêt à mourir, vous comprenez ça? Ils sont pleins en Ukraine. On va prier. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps.